Et yo tout le monde, il fait tout moche dans le jeu. Yo Twitch, yo YouTube. Voilà. Allez, c'est parti. Je propose qu'on fasse des petites quêtes annexes. Voilà, on en a quelques-unes à faire. Ouais, enfin, on en a une. Voilà. Enquête d'un foyer. C'est où? Ah, c'est là. Si, si. Bon, bah, on va y aller. Allez, à pied. Ah, impossible d'appeler votre Ikran. Je suis trop loin. Oh, putain. Est-ce que j'ai besoin de plus de dap au fait? Non, c'est bon. Bon, vous savez quoi? On va se TP. On va se TP ici. Au QG de la résistance. Voyage rapide. Ah, lorsque je chute, ok. Putain, j'ai eu peur. Ok. Alors, voilà. Voilà. Voilà, c'est parti pour le voyage rapide. Parfait. Allez, bon, allez, on va le faire à pied. J'ai toujours aimé le confort. Allez, on y va à pied. Alors peut-être que je mange un truc quand même. Voilà. Ouh. Je glisse. Voilà. Et c'est parfait. Allez, hop là. Hop, hop. Allez, c'est bon, on est presque arrivé, là, on est presque arrivé. Et voilà. Ah oui, dans Five Nights at Freddy's Security Breach, je suis rendu là où je suis rendu. Voilà. Parce qu'en fait, la rime, le fait que je réinstalle Windows, enfin que j'installe Windows sur le nouveau SSD, fait que j'ai perdu la sauvegarde de Five Nights at Freddy's Security Breach. Voilà, voilà, voilà. Merci de ne pas l'avoir mis sur le cloud. Danny est passé ici, seul. Il n'y a pas de traces des autres. Ok. Fouillez. Elle allait. Ça voyageait léger. Il y avait des rations. Je sens une faible odeur. Une faible odeur. Ouais, ok, allez, on y va. En quête d'un foyer. Ration de la résistance. Et hop là. Bon, allez, hop. On va directement par là. Voilà. Ça reste longtemps. Hein. Ah là 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 là. Oui. Allez, on y est, on y est, on y est, on y est. Voilà. Alors, qu'est-ce que Jean t'a dit? Seulement qu'il avait mentionné un sujet qu'il aurait dû éviter. Ouais. Ouais. Ça. Il a vraiment mal choisi son moment pour parler de fonder une famille. Avec ton retour, Jean a repris espoir. Mais moi, j'ai vu tout le mal qu'ils t'ont fait et ce qu'ils vont nous faire à tous. Alors, c'est pour ça que tu es ici toute seule? On peut dire ça. Je couvre beaucoup de terrain. Je trouve des points d'observation. J'identifie les endroits propices au combat. J'essaie de nous protéger. Enfin, autant que possible. Les autres n'imaginent pas à quel point les choses vont empirer. Mais moi, si. Demande à l'animal piégé que j'ai vu. Ok, ça va là. Ça enregistre sur le SSD. Je ne pouvais pas le libérer sans le blesser. Où les as-tu trouvés? Au nord-ouest du QG. Ok. J'aimerais pouvoir faire plus. Je vais m'en charger. Alors, deux petites secondes. S'il vous plaît. Voilà. Vidéo. Un fichier MKV. Alors voilà, donc je le garde un petit peu sous la main. Voilà. Alors, let's go. Ce que je dois faire, repérer les lieux, ok, donc je peux aller directement là. Alors, il est où? Et t'es où? Ça fait plaisir de te voir, Katia. Katia. Allez, on y va. Hop hop hop. Let's go. Ya 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 ya. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Ça va nettement plus vite. Ça, c'est super. Alors, est-ce qu'on m'entend? Pop, pop. Paf. Je vais juste voir si on m'entend. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On m'entend. On m'entend. C'est bon, on m'entend. Ah, attendez. Hop. Voilà. Ça a l'air d'aller. Paf. Alors, faut peut-être commencer à descendre. Voilà. Les pièges se trouvent à l'ouest de l'immense colonne de pierre. Ok. Tiens. Merde. C'est bon. Dani, l'animal est enfin libre. C'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça, que je me suis pas confiée à quelqu'un. te retrouve là-bas. Ok. Eh ben, allons au QG. Voilà. Allons au QG. Tout de suite. Allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Okay, c'est là-bas. C'est là. Attention. Tu es revenu. Ouais. Pour l'instant, ou... Est-ce que j'ai le choix? J'essaie de nous protéger. J'essaie de protéger mon mari. Peut-être que tu devrais lui parler. Et lui dire ce que tu ressens. Il t'aime tellement. Jean a tellement d'amour à donner. Ce serait égoïste de ma part de tout garder pour moi. Il aimerait fonder une famille. Sur Terre, j'ai grandi dans un environnement difficile, bâti par des gens comme Mercer. C'est toujours pareil. J'ai jamais oublié le regard de mes parents. Un mélange d'amour et... de peur de ne pas pouvoir protéger l'être qui comptait le plus pour eux. L'animal que t'as libéré protégera les siens un jour, et il connaîtra cette même douleur. Je ne pense pas que ça aille aussi loin. C'est naturel de donner naissance et de protéger ses petits. Oui. C'est le rôle d'un parent. Du moins, je le pense. Ouais. De l'amour et un instinct débile. Jean refuse de croire que je puisse échouer. Il m'aime trop. Et je sais pas comment lui dire. Je suis terrifiée. Je vais aller lui parler. En quête d'un foyer, bah voilà, on va pouvoir faire la quête principale peut-être. Ah, point de compétence obtenu. Putain, j'ai rien. Voilà. Alors je vais voir en fait si je peux avoir des équipements. Histoire de relever un petit peu mon niveau. Ça doit être cool de voler sur un Ikran. Le vent dans les cheveux. Tu viens te ravitailler? Putain, j'en ai quand même 3. Prends bien soin de toi. Tiens, jette. Prends bien soin de toi. Voilà. Ce vol m'a vraiment secoué. Pourtant, choisis bien. Passe au tableau de service de la RDA. Putain. Voilà. Reste toujours sur tes gardes. Ça va? Parler, alors je vais peut-être parler. Du confinement des réacteurs matière-antimatière. Ah. Exactement. Tu as besoin d'une nouvelle tenue? Oui. Voilà. Voilà. Bon, moi ça me monte un petit peu. Ça c'est cool. Paf. Non. Voilà. Le style. Eh ouais. T'as vu. Le camp errant. On fera peut-être mieux d'aller regarder s'il n'y a pas des quêtes. Ici, par exemple. Elle est où la porte? Ah, tu as convaincu le canat de se joindre à nous? Je pensais que son clan continuerait de nous en vouloir. Elle est où la porte? Elle est là. Pom. Ah, mon Ikran. Ok, il est là. Et bah let's go, on va aller à l'arbre monde. Alors oui, vous avez remarqué que j'ai mis une musique de Pokémon. Parce que les musiques que je mettais là pour le début des lives d'Avatar sont copyrightées. Merci YouTube. Voilà. 3 km il reste. Ah bah c'est pas si loin. Bah il est là-bas je crois, l'arbre. Ah. Voilà. Ah putain. J'ai plus de quoi nourrir mon crâne. Alors j'aimerais bien avoir une petite quête quand même. Ça serait bien d'avoir une petite quête. On va pas tarder à atterrir. C'est là, c'est là. Voilà. Je ferais mieux de ralentir pour te laisser reprendre ton souffle. Ouais, on va aller acheter des trucs. Enfin, on va prendre des trucs. Ok. Peut-être une quête? Bon retour. As-tu vu? Sais-tu où se trouve Wuhan? Elle avait promis de me rapporter des colorants, mais elle n'est pas encore revenue. Je ne sais pas qui c'est. Désolé. Je ne peux pas me les procurer moi-même. Je n'ai pas de plan. Wuhan a proposé son aide. Et si un malheur lui était arrivé par ma faute? Je peux la chercher si tu veux. Oh, vraiment? Elle aime cueillir près du bosquet ombragé. Tu pourrais demander là-bas si quelqu'un l'a vu. Ok. Nouvelle quête. Comment mes soins? J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Ok. Reviens. Voilà. Alors. Je dois me rendre dans le cercle guérisseur. On se retrouve là-bas. Ouais. Mon ami ne fera bientôt plus qu'un avec Eiwa. Et ça lui fera chaud au cœur de voir que les Sarentu sont de retour. Et recevoir. Regarde ce que j'ai. Voilà. Allez, va. Voilà, donc j'ai quelques quêtes à nos amis disparus. Forêt des Kinglor. Tu n'as pas d'autre. Tu cherches une amélioration. Ouais. Prends bien soin de ton arc. Alors. Bol épicé aux œufs. Voilà. Bonjour mon ami. Je t'apporte des herbes pour la douleur et... autre chose. Autre chose. Les Sarentu et les Aranahe sont amis. Et il faut toujours être entouré d'amis lorsque notre dernière heure approche. Le Sarentu est revenu pour mes derniers instants. Ma grand-mère a aimé l'un des tiens. J'ai grandi avec les chants de ton clan. Peut-être que le jeune Sarentu pourrait chanter. Je connais un chant. Pas les paroles, Je m'en souviens. Ouais. Merci. J'affronte la mort avec les chants de ma grand-mère. Au fond de mon cœur. Je lui parlerai de ce moment quand je la verrai en Eiwa. Bien sûr. Repose-toi. Quand la mort viendra, je serai à tes côtés. Viens, allons parler dehors. Ok, parlons dehors. Papa. Ok, on n'est pas dehors, mais bon. Non. Qu'est-ce que tu fous? Parlez. Voilà. Ton ami a été courageux face à la mort. Quel courage y a-t-il dans la mort? Les morts ne craignent rien, car seuls les vivants ont quelque chose à perdre. Ces pertes nous touchent en plein cœur. Je le vois à travers Tsukiri. Tsukiri. Il a perdu un ami proche récemment. Tu as su réconforter mon ami au crépuscule de sa vie. Peut-être réussiras-tu à consoler Tsukiri. Il paraît que les Sarentu réchauffent le cœur avec des histoires. J'aimerais essayer. C'est tout à ton honneur. Tsukiri aime tuer le temps à la merveille du tisseur. Je pense que tu la trouveras là-bas, ruminant son chagrin. Ok. Trouver Tsukiri au camp de la merveille du tisseur. Quelqu'un dans le camp l'a peut-être vu. Ah, regardez. Hop. Pas besoin de demander à quelqu'un. Non, on va y aller, j'ai mis un repère. Mais il n'y a que du brouillard et des champignons. Est-ce vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Et leur capitale est cachée sous la roche. Je crois qu'on s'est moqué de toi. Personne ne peut vivre. Ah, c'est pour stocker des trucs. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais point. Un des tisserands m'a dit que Kanat était un enfant. Recevoir. Je peux faire quelque chose? Je ne sais pas. N'hésite pas à me demander des conseils. Alors, et tout devrait être plus avisé. Bon, je pense qu'on peut y aller à pied. Ça sera pas long, hein? Il nous faut voilà. Approche. Ah, ok. Ceux qui viennent du ciel, près de la rivière. Ils agissent comme des nuisibles. Ils s'incrustent où ils veulent, ils ravagent tout, puis ils s'en vont. Ok. Mais cette fois-ci, il n'y en avait qu'un. Seul, sur une petite île avec un grand arbre déraciné. C'est étrange, non? Oui. Est-ce que nous leur avons donné plus de courage? Seul, vraiment? Est-il toujours là où tu l'as vu? Oh, je te doutais, a vite compris. Après s'être fait chasser, il a commencé à s'enfuir en criant. Ça m'a bien fait rire. Mais quand même, qu'est-ce qui a attiré un toutouté dans cet endroit? Je ne sais pas. Nouvelle quête, un vent d'amour. Eh ben allons-y, hein? Quête non suivie, mise à jour. Vent d'amour. Alors, si je... Ah. Ah bah je crois qu'il y a une petite cloche, non? Pousse de Sariou. Elle est à l'intérieur. Oh purée. Saute plus haut. Non. Il veut pas sauter. Je suis obligé de d'aller sur la rive, quoi. Voilà. Et hop là, on saute. Voilà. Touché. J'ai eu un point de compétence. Fin gourmet. Pied léger, ok. Et bah allons-y. Allons-y, allons-y. Avant la pause. Et bientôt les vacances de la Toussaint. Hein. Ou d'Halloween. Hein. C'est comme vous préférez. C'est les mêmes vacances. Hein. Après tout. Dans un mois. Ok. Allez, on y va. Oui. Alors, et on y est presque. Plus qu'une centaine de mètres à peu près. Ok, c'est bon, je la vois. Waouh! Ah. Où est ce coquillage a été? Tsukiri? Tsukiri m'a dit que je pourrais te trouver ici. Tu cherches quelque chose? Rien qui ne puisse être trouvé. Mon ami Aiteko. Il aimait faire des blagues. Il avait une grande soif d'aventure, aussi. Il a voulu me faire croire qu'il avait vu un mystérieux coquillage là-haut. Un coquillage là-haut. Je lui ai dit qu'il mentait. Il m'a répondu qu'il le retrouverait pour me prouver que j'avais tort. Puis, il s'est fait tuer en allant chasser. Ah. C'est idiot. Ça te réconforterait de trouver ce coquillage? D'avoir une chose qui comptait pour ton ami? Il n'existe pas. C'était juste une autre de ses farces. C'est tout. C'est tout. Bon bah faut trouver le coquillage quoi. Ok. Il a dit la bonne. Nulle part. Pourquoi nulle part. Je risquerais ma vie pour les histoires de cet idiot? Et ben on va voir ça. Alors... Tac, 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 tac. Allez, 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 allez. Je suis dans la zone de recherche. Le coquillage de Tsukiri. C'est ça. Ben voilà. Personnage. La carte, merci. Voilà. Attendez. Oh, une viande grasse sublime. Aïe. Tuto se casser 3 jambes. Alors, eh ben allons-y. Parfait. Il est là. Bonne nouvelle. J'ai trouvé le coquillage d'Eiteko. Tiens, pour que tu te souviennes de ton ami. Mais... non, je... Oh, voilà. Eiteko, tu disais la vérité. Et je pensais qu'il était juste... Je n'ai pas été digne de ton amitié. Il m'a promis qu'une fois que je soufflerais dedans, je comprendrais que c'était étrange et envoûtant. Alors, je lui dois des excuses. C'est ça. C'est ça le bruit envoûtant qu'il voulait que j'entende. Oui. Envoûtant, c'est le mot. Encore une blague d'Aiteko. J'ai hâte de le rejoindre en Aiwa pour lui raconter. Envoûtant. Et ben voilà. Viens me voir quand j'aurai rejoint Eiteko en Aiwa. Il sera heureux de savoir qu'il avait raison. Mais Fika va s'évanouir si elle te voit dans cette tenue. Ok. Alors... point de compétence, j'ai eu... et des faveurs de clan. Voilà, bon, hop là. Alors, des quêtes. Un vœu d'amour. Une curieuse disparue. Parfait, on peut faire ça. C'est ce qui est le mieux pour nous. Là. Voilà. Paf. Parfait. Et là, j'ai de quoi te nourrir. Ça te plaît? Voilà. Parfait. Ya. Yeah. Ok, bon, c'est un peu loin. Un petit peu loin encore. Et ben allons-y. Allons-y, allons-y. Voilà. On y est presque. Plus que environ 3 km. Et ben voilà, on y est. Allez hop, on va dans l'arbre. Voilà. Ah. Ouais, super. Exemplaire. Ah bon, j'ai été exemplaire. Il faut qu'il pleuve pour avoir de la meilleure qualité. Ah, ah mais oui, c'est là. Paf, paf. Ok. Ok, c'est bon, c'est là. Oh putain, il faut grimper. Viens, je peux t'aider. Ah bon? Tu es à bout de force. Tiens, mange ça. Mange ça. Merci. Oh. Voilà. Alors je récupère. Ah bah voilà, parfait. Ça c'est parfait. Quand même, le jeu il est assez beau, hein, même sur la PS5. Hein. Wow. Wow. Pop, 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 pop. Voilà. C'est bon, on y est presque. On y est presque. Voilà. Le bosquet ombragé. Là peut-être? Non, non. Ah, des quêtes. Voilà. Leïta est encore de mauvaise humeur. Quand je lui ai demandé si je pouvais l'aider, elle m'a dit de lui trouver quelqu'un extérieur à notre clan. Beaucoup sont intrigués par le bruit bizarre, mais Leïta est prête à tout. Pour le un bruit bizarre. La dernière fois que je l'ai vue, elle était au cours de la rivière. Ok. Katnat a raison. Où êtes-vous, Anne? Elle sait que je suis venue ici pour répéter. Ah voilà, eh, on a pas mal de quêtes annexes à faire. Nous avons une autre visiteuse parmi les Aranahe. Okulopé vient parfois commercer avec nous, mais personne ne sait d'où elle vient. Elle est aussi audacieuse que toi. Tu devrais la rencontrer. On ne sait jamais combien de temps elle restera sur la passerelle des Ikran avant que l'aventure ne l'appelle à nouveau. Nouvelle quête. Parlez. Un Sarentou est venu assister à ma représentation. Ma renommée hors de la forêt des Kinglor est pratiquement assurée. Désolé, mais je ne suis pas là pour ça. Oh, tu aurais pu au moins faire semblant. Peu importe. J'imagine que tu cherches vous, Anne. Vous, Anne. Comment tu le sais? Elle apprécie la bonne musique interprétée à la perfection. Elle serait revenue de sa cueillette si elle m'avait entendu jouer. Elle a aussi dit qu'elle récoltait des herbes pour Neitu. Et nous savons tous que la jeune protégée de ma mère peut être têtue. Ok. Je dois chercher où? Elle aime cueillir ses herbes de l'autre côté de la rivière. Vous, Anne, n'est pas du genre à changer ses habitudes. Elle apprécie tout particulièrement la zone herbeuse près du rivage. Mais je ne sais pas trop pourquoi. Alors, je vais vous balancer la pause. Voilà, je voulais qu'elle arrête de parler. Bon, je vais vous balancer la petite pause. Voilà, voilà, voilà. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, à tout à l'heure. Et oui. Alors, allons continuer cette quête tout de suite. Voilà. Voilà, merci. Une curieuse disparue. Tiens donc. Oui. Bon bah allez, hop, là. Ouf. Ouh, ouf. Voilà. Oui. Waouh. Ah. Je me suis cassé une jambe là. Oh. Il y a quelque chose. Oui. Alors dépêchons-nous de partir. Je ne peux rien faire. Dépêchons-nous de partir. Je n'arrive pas à me concentrer. C'est bon. On entend tirer. Hein. Hello. Salut. Ça va? Allez, hop, là. Toi, toi. Voilà. Ça, ça. Ah, parfait, des rations. Le pied détaché. Ouh. Je pourrais dire merci. C'est bon. Voilà. Et bien, continuons notre bout de chemin. Ah. Wouhou. Wouhou. Voilà. Un laboratoire. Voyons ça. Alex, je suis devant un de tes labos. Il est vide et complètement éteint. Ah oui. La plupart ont été temporairement éteints. Depuis un moment, pour être honnête. Avec la RDA qui s'active de plus en plus, il a fallu enfermer quelques-uns et se rapprocher du QG. Tu crois que je peux utiliser ces labos? Écoute, la résistance recrute de plus en plus d'alliés. On va bien voilà. Hey. Regarde ton feed, il devrait capter un signal du système d'alimentation du labo. Scanne le sol, les murs et connecte les onduleurs au disjoncteur principal. Bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. Avec n'importe quel labo de la frontière occidentale. C'est exactement ce que j'ai fait. Alex, j'ai réussi. Le labo est de nouveau en marche. Voilà. Ok. Essayez d'utiliser le terminal, s'il te plaît. Hop, voilà, parfait. Un terminal. Ah. Mais il est là. Hein? Alex, tu m'entends? Je t'entends parfaitement. Sache qu'il y a un terminal comme celui-ci dans chaque labo. N'oublie pas de les regarder en passant. Ouais. Qui sait? Quelqu'un du QG pourrait avoir des infos intéressantes. Ah bon, je te laisse tranquille. Eh ben allons-y, continuons notre bout de chemin. tels que les bruits de la forêt pour apaiser un esprit tourmenté. Je vais te parler. Le tissage et la cuisine sont mes activités préférées. Essaie un peu de cuisiner. Ben voilà. J'aimerais bien que tu bouges. J'aimerais bien que tu bouges. Merci. Ah, il y a un pêcheur là. J'essaie d'attraper des poissons. Viens si tu veux, mais ne les effraie pas. Ah bah en gros, faut que je me casse quoi. Ah, je peux attraper des poissons. On peut pêcher. Ça c'est cool. Ah, des pouces de Dapophète. Merci. Alors... Voilà, paf. Voilà. Hop, je récolte un peu tout. Temps sec. Convenable, merci. Paf. Nickel. Hop. Alors, bah ok, bah c'est bon. Examinez le coin de cueillette. Il est là le coin de cueillette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne pense pas que ce soit ça. Là, il y a un truc là. Vous, Anne a dû se faire surprendre par quelque chose. C'est peut-être lié à... Là, peut-être. Il y a eu un combat ici. Ça doit être l'arc de vous, Anne. Il est cassé. C'est peut-être enfui. Les loups vipères ont attaqué et brisé l'arc de Wuhan. Alors elle a fui. Et si je suivais l'odeur des herbes? L'odeur des herbes? Ok. Ok, super. Paf. Ya, allez. Allez, allez, allez. Repère du bois sauvage. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Paf. Et bah, oh purée. Et bah voilà, c'est dans la grotte là. Recule. Tu dois être vous, Anne. Neitou m'envoie. Elle s'inquiétait pour toi. Neitou s'inquiète toujours pour moi. Mais elle a vu juste cette fois-ci. Je suis bloqué ici. Bloqué? Par quoi? Bloqué? Des loups vipères, avec des marques étranges et sans gourou. Une espèce contre nature. Contre nature? Contre nature. Pas créé par Ewa. Ils sont plus rapides que les autres, plus agressifs. Ce n'est pas la faim ou la peur qui les motive. Mais j'ai vu de la peine dans leurs yeux. J'ai été prise de court. Ils ont brisé mon arc avec leurs crocs. Et ils veulent ma peau. Je les entends rôder. Ils ont dû endurer bien des horreurs pour devenir si vicieux. Est-ce les humains qui leur ont fait ça? On ne sait pas. Ni la paix, ni le calme. Seulement la chasse. Si c'est toi qu'ils cherchent, je peux peut-être les surprendre. Peut-être. Mais accorde-leur une mort rapide. Ensuite, ils pourront enfin rejoindre Ewa. Ces pauvres créatures. Ces pauvres créatures méritent au moins cette bienveillance. Alors, le petit arc. Hein, ils sont où? Là. Tu es sérieux là? Voilà. Et deux. Là. Voilà. Ne les laisse pas t'encercler. Ok. C'est bon? Non, il y en a encore. Là. Paf. J'ai déjà bouffé une vingtaine de flèches? Voilà. Pas de courroux. Je dois regarder. Surveille des arrières, ils sont sans pitié. Parlez. Voilà. Ne t'en fais pas pour moi. Je resterai caché le temps que tu traques les loups vipères. Mais c'est bon. Vite. Tiens. Voilà. Allez, tac. Il était obligé de gueuler. Éliminer les loups vipères de la zone. Voilà, toi tu dégages. Deux secondes. Oh putain. Voilà. Cet animal n'a pas de courroux. Ouais. Je dois concentrer mes sens. Et ben voilà. Tu es de retour. Eh oui, je suis vivant en plus. C'est bon. Tu ne risques plus rien. Oh, j'ai cru que j'allais y laisser ma peau. Je sais me défendre, mais ce n'est pas pour rien que je chasse les baies plutôt que les bêtes. Je pense que tu aurais pu t'en occuper si tu avais encore ton arc. Oh, c'est vraiment très gentil. Je demanderai à Neytou de te confectionner un petit cadeau. Merci. Une preuve de ma gratitude. Une preuve de ma gratitude. Allez voir Wuhan. L'arbre maison. Eh ben on va aller en Ikran. Voilà. Ça fait plaisir de voir que tire, C'est vrai, je vais pas faire 4 km à pied. Ça use, Voilà. Et oui, dans le prochain live, on continuera un petit peu l'histoire principale, promis. Là, vraiment, ça va être les quêtes annexes. Histoire de relever un petit peu le niveau. Oh putain. Allez. Et bientôt 1 heure de stream déjà. Alors. Allez, allez. Voilà. On y est presque, Allez voir Wuhan dans leur maison, hein. Elle m'attend avec Neytou dans le repère du tisserand. Eh ben allons-y dans le repère du tisserand. Voilà. Allez, 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 allez. Vont, vont, vont. Voilà. Et bah allons dans le repère du tisserand. Hop, hop, hop. Voilà. Alors toi. Que cherches-tu? Des défis, chasser Titanator, ok. Bah c'est les défis. Que les vents te soient favorables. Fouiller. Ce que j'ai eu. Ok, c'est en bas. C'est en bas, c'est en bas. Et c'est pas par là en plus. Arbre maison. C'est plus par là. Hein. Ok. J'essaie de concevoir une nouvelle œuvre pour les Kingdoms. Cache. C'est le cache. Regarde ce que j'ai. Merci, je vais pouvoir. Voilà. Allez, va. Recevoir. De quoi as-tu besoin? Ouvre l'œil, mon enfant. T'es où? T'es là-bas. Ok. Tu n'es pas inutile, Neytou. Ah, c'est toi. J'ai raconté l'histoire de mon sauvetage héroïque à Neytou. Oui. Apparemment, ces loups-vipères t'ont donné du fil à retordre. J'ai demandé quelque chose à Neytou pour te remercier. La plus belle création, Aranahe. Wuhan exagère un peu. Mes tissages laissent encore beaucoup à désirer. Merci, j'en prendrai soin. Oh, maintenant, c'est toi qui exagères. Voilà, une curieuse disparue, c'est bon. Oh, manche de Wuhan. Ah, une nouvelle peinture. D'ailleurs, c'est où que je peux mettre les peintures? Ça ne sert à rien de combattre ceux qui viennent du ciel. Il faut qu'on rattrape le temps perdu. Point de compétence obtenu. C'est léger, voilà. Ok. D'ailleurs, pour les peintures, là, c'est où? Peut-être que je devrais aussi apprendre à chasser. Je devrais recommencer. Je vais perdre une journée, mais ça en vaut la peine. Bon retour parmi nous. Les arbres des Kingler sont en fleurs. Je ne crois pas avoir vu quelque chose... Ah, attendez. La piste est l'âme. On va aller au totem Sarintu. Voler sur un Ikran, je ne reviendrai jamais ici. On va aller au totem Sarintu. Tout de suite, il nous faudra plus de gardes. Jeune et naïve, elle doit faire le deuil de sa mère. ça. Ok. Pluie. Convenable, ça va. C'est par là ? Que ferons-nous quand ceux qui viennent du ciel seront partis ? Nous vivrons nos vies, j'imagine. Ah voilà, il est là-bas le totem. Ok. Bienvenue. Aouh. Ok, alors. Totem Sarentou, voilà. Ah oui, putain, c'est vrai. Faut suivre les flèches. Une sorte de... totem ? Oui. Il paraît familier. D'une certaine manière. Ritnella, j'ai trouvé un truc. Je pense que c'est un vieux totem. Les couleurs sont un peu parties, mais ça a l'air Sarentu. Un autre totem de notre peuple. Nous en avons vu un aussi. Un autre ? Alors, il doit y en avoir encore plus. Sûrement, oui. Nous également ok, c'est là. Est-ce qu'il y en a près du tien ? Oui. Il se demandait si les symboles pointaient dans une certaine direction, comme pour lui montrer la voie. Et il a vu quelque chose ? Il a vraiment essayé. Ouais. Là, ok. J'aimerais essayer. Attends. Attends. Bon. Alors. J'aimerais essayer. Je trouverai peut-être le bon angle. Totem Sarentu. Bah oui, mais il est où le... Elle est où la flèche ? Totem Sarentu. Tu as entendu? Nous t'entendons. Tu peux sortir de ta cachette. Ok. Bon, il est où là le... Ah, déjà, c'est pas là qu'il faut aller. Je suis obligé de reprendre tout du début. Yes. Par là. Ils disent par là, mais... Putain, mais ils peuvent pas nous mettre directement sur le truc, là? Ah. Ok, c'est là. Ok, là-bas, je vois la flèche. Il n'y a pas de symbole. Ah là, putain, mais... Ouais, mais... Il était là. va prendre notre temps. On va prendre tout notre temps. Ok, elle est là. Je l'ai vue. Encore tout droit. Elle est là-bas. C'est en haut. Oui. Là. Mm-hmm. Super. Ah là. En même temps, il pourrait le mettre sur notre chemin. Ok. Observez. L'endroit. Il était juste là, quoi. Voilà. C'est bon. Observez tout un sarin tout. Voilà. Alors, je... Ah bah parfait. Voilà, on va y aller. Hop. Allez. Parfait, exemplaire, pluie, mais il pleut pas. Le totem. Il regarde l'arche géante. Une imposante formation rocheuse. Oui. Et pourtant, je ressens de la chaleur. De la chaleur? Je me demande combien des nôtres ont voyagé sous ces arches de pierre. C'était un lieu de rencontre, peut-être. Peut-être. C'est étrangement accueillant. Même après tout ce temps, elle est toujours debout. C'est presque comme si elle me disait « Bienvenue chez toi. » Faveur de clan. Ah, c'est bien, maintenant il fait tout gris. Tout à l'heure, il y avait du soleil. Il fait tout gris maintenant. Play. et bouffe. Voilà pour toi, Katir. Katir. Alors. Et. Hop. Ah. Eh bien, allons-y. Allez, on va aller aux pompes. Voilà. Voilà, continue d'améliorer les caddies. Un autre engin de dragage. Alors. Ok. Voilà. Voilà. Allez. Je sabote ça. C'est le moment de saboter ça. Voilà. Allez, dépêche. Parfait. Voilà. Ok, bon, allons-y pour celle-là. Attendez. Voilà. Alors, allons-y pour celle-là. Ouais, ça va, on y est presque, Ok. Une autre tour de forage terrestre. Sabote le générateur et détruit l'unité de refroidissement. Puis détruire le générateur. Après l'explosion, on devrait retrouver un peu de calme. C'est trop bizarre. Allez. Là-bas. Voilà. Alors, faut que j'aille où ? Ok, faut que j'aille par là. T'es... J'arrive là, allez. Voilà. Parfait. Ah bah mais non mais putain. Non. Et ouvre-toi, allez. Voilà. Et voilà. Parfait. Détruit. Bon. Au niveau 6. Ah, oh, celle-là, je peux la faire. On va aller en Ikran, on va faire celle-là. Et je m'arrêterai là après. Voilà. Paf. Ah, plus t'as pas fait descendre, putain. Il est où? Paf. Voilà. C'est beau ce paysage, hein. Allez. Putain, ça va être long, ça. Allez, allez. Non, on n'est pas en bas. N'hésitez pas à clipper s'il y a des moments marrants. Vous pouvez aussi mettre le lien du clip dans le chat si vous voulez. Ok, c'est là. Allez, on court. Allez, voilà. Oh. Elle a fermé la pompe à eau. Elle est là-bas. Ah. Voilà. Tirez sur le réservoir de fluide hydraulique. Merde. Voilà. Et voilà, c'est repris pour Pandora. Ah, attendez, il n'y a pas des petits trucs? Ah ah. Oh. Mode. Là peut-être. Munitions étourdissantes. Je regarde juste, il n'y a pas des petits trucs intéressants. Peut-être là-bas. C'est que j'ai pleine. Voilà. Bon. Bon. Ah, là, il y a un petit truc. J'ai eu quoi? Ok, super. Bon. Eh bien, YouTube, je te dis merci d'avoir regardé cette VOD d'Avatar Frontiers of Pandora. N'hésite pas à me follow sur Twitch, sur Instagram, à rejoindre mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description, juste en dessous. N'hésite pas. Et à rejoindre, me suivre sur Threads aussi. Pareil, c'est dans la description aussi. Et n'hésite pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salutations à toi, YouTube.